Salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour un nouvel épisode. Matinée rush, aujourd'hui c'était vraiment... Je me suis levé tôt, barbier, ensuite séance beast mode. Et là maintenant, je suis prêt à commencer une bonne journée. On enchaîne le jeu Tetris, là c'est le chapitre XXX. Aujourd'hui, j'enchaîne plusieurs rendez-vous, à commencer ce matin par une grosse séance avec l'agence immobilière. Encore une fois, c'est des gros projets qu'on a avec eux, ça avance dans le bon sens, c'est des gros beaux projets et c'est super kiffant et ça fait vraiment sens dans ce qu'on veut faire avec l'agence. C'est des campagnes, c'est de la réflexion, de la stratégie, bref, tout ce qu'on kiffe. Du coup maintenant c'est 3 heures de séance, 3 heures de séance avec eux et ensuite on enchaîne. C'est toute une logistique, j'avais prévu dans la voiture mon sac de sport et mon sac de travail. Maintenant, je viens de passer à la caisse, changer les sacs et on enchaîne les rendez-vous. Là, le but de la séance de ce matin, ça va être de parler d'un projet pour leur site web qu'ils ont, d'une campagne qu'ils veulent faire pour les fêtes de fin d'année et d'une autre campagne qu'ils veulent faire pour viser les propriétaires. Je peux pas dire ce qu'on fera exactement, mais en tout cas, c'est les gros projets qu'on va aborder aujourd'hui. Voilà. Désolé. Pardon ? Désolé. Bonjour. Comment ça va ? Bien vous. Très bien, merci. Excellent, super, cool, parfait. Tu pourrais peut-être nous faire un petit feedback juste sur ce qui a été fait de votre côté. Ça marche alors ? Ça marche. Bonne journée Patricia. Merci. À bientôt. À bientôt, à tout bientôt. Ciao Olivier. Merci Greg, à bonne bientôt, journée, à bientôt. Journée, hein. Ciao, ciao alors. Hein. Ciao. Bon, super rendez-vous. C'est tellement ça. Ouais, bah, c'est tellement ça. Que je connais. Bon, rendez-vous terminé, c'est bon, on est prêt pour lancer un peu la suite des activités. Donc il y a un gros projet site web, après il y a un projet de campagne fin d'année, une autre campagne qu'on doit faire aussi. Maintenant il faut qu'on bosse à fond dessus cette semaine pour qu'on livre tout ça d'ici fin de semaine. Il y a du boulot, mais on kiffe le boulot. Je sais que j'en fais souvent une blague de ces parkings, mais à 16,50 francs, pour 5 heures de parking, franchement, je commence vraiment à y penser là. Oh là, ça va bien. Cool de te voir. Hello. Ah. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de segment pancake protéiné sur cette chaîne, du coup je crois qu'il est temps de remettre ça. On allait faire une petite razzia de pancakes protéinés, de chips paprika protéinés, hot chili, des petites barres peanut butter. Ça c'est quoi? Ça c'est chocolat. Et il y en a une qui a l'air ouf. C'est celle-là. Alors je craque, mais de manière très violente, pour les cinnamon rolls du Starbucks. Et là j'ai trouvé un truc. En gros c'est au goût cinnamon roll. Ça a l'air juste terrible. Bref, maintenant, j'ai un gros workshop que je dois animer avec le groupe mutuel, l'assurance. Ça commence dans une heure, du coup, il faut que je speed. Je dois manger, je dois repréparer un petit peu dans ma tête le workshop. Et après, il faut que je prenne la voiture pour que je parte au groupe mutuel. Pas de pression, pas stressant. Enfin, si, non, c'est pas stressant. Une pression, mais que je contrôle bien. Je me réjouis à fond, c'est un workshop qui va être intéressant pour parler un petit peu de la stratégie marketing produit. J'en ai déjà parlé. Je suis sous NDA, j'ai un gros stempel, du coup je peux absolument rien dire. Mais c'est super kiffant. On va dire que le kiff prend le dessus sur le stress, du coup c'est une bonne pression que je gère et que je recherche. Ça va commencer à devenir très dur de manger sainement avec toutes ces fêtes qu'il y a. D'une part, moi j'ai ramené ça chez mes parents. Avec des bonbons et tout. Et Jérémy nous ramène aujourd'hui d'autres bonbons. Chaque fois, quand les périodes de Noël approchent, je trouve que c'est tellement plus dur de rester healthy. C'est tellement plus dur de manger sainement, de faire gaffe. Je sais pas, avec le froid, j'ai comme un ours, j'ai envie de bouffer pour rester bien au chaud, quoi. Non, c'est une excuse de merde. C'est pourri comme excuse. Non, mais je rêve à chaque fois de manger plein de trucs malsains. Faut vraiment que je me force et que je fasse gaffe quoi. Mais du coup j'ai une solution, j'en ai parlé sur la vidéo, mais c'est Power Meals. Mon petit plat ici et en plus j'ai une nouvelle pour vous. On a échangé avec eux, ils m'ont approché. Et du coup j'ai un petit truc pour vous qui pourrait vous plaire.
Pour aujourd'hui, c'est de l'agneau avec du riz et plein de petits bons légumes. Je sais pas si vous voyez. Et en gros, tellement je kiffe leur concept, j'ai fait plusieurs stories sur Instagram. Et en gros, c'est eux qui m'ont écrit en privé pour me dire « Merci pour la pub que tu nous fais, c'est vraiment cool. » Du coup, si t'aimes bien, on sera intéressé à faire un deal avec toi. Et tu pourrais offrir à ta communauté 30% de réduction sur leur première commande. Donc si vous kiffez un peu ce concept de plat préfet à la maison, si comme moi vous n'avez pas des masses de temps pour faire à manger, aller aux commissions, prendre les plats, les réfléchir, les préparer, toute la préparation qu'il y a avant, et après il faut débarrasser, il faut laver la vaisselle, ça prend du temps. Bref, du coup, si vous kiffez un peu le concept, c'est vraiment de la bonne bouffe. Donc mettez le code LOGAN30 sur le site powermeals.ch et sur votre première commande, vous aurez 30% de réduction. Et moi, du coup, je me prends 30 balles par personne qui font ça. Du coup, normalement, s'il y a 5, 6, 10 personnes qui le font, bah, du coup, je mangerai gratos pendant quelques semaines, quoi. Pas mal, Lénine, non? Je vais changer ma bio sur LinkedIn. Je vais mettre Suisse influenceur. Influenceur de marque positive. Madonna, Madonna. Bon, mec. Sens-toi. On se voit après, ok? Ça marche. Bon, c'est parti, on enchaîne là, on enchaîne. Je suis prêt pour le workshop, je crois que je suis prêt. Non, je suis prêt. J'espère que je suis prêt. Au tout début à l'époque, quand j'ai commencé un petit peu à faire ces conférences, workshops, je sais pas, à animer des groupes de gens si je peux dire, ça me stressait, mais hardcore. Vraiment, c'est un truc des fois où je me disais, mais j'aurais pas les couilles de le faire. Rien que d'y penser, ça me stressait, j'avais les mains moites. C'était vraiment un truc qui me travaillait à fond. Et là, maintenant, aujourd'hui, j'arrive pas à dire si c'est vraiment ce que je kiffe faire. J'ai toujours un petit peu, avant de faire ces workshops, ces conférences, un petit peu, je sais pas, pas là pour rien, un petit peu la pression, mais je la recherche presque. Et en fait, vraiment, j'essaie un peu de la convertir, je sais pas, en sorte d'excitation où je me réjouis à fond vraiment de le faire. Et c'est plus un truc qui me stresse ou qui me prend vraiment, c'est plus un truc qui m'encourage, qui me pousse à fond vers l'avant quoi. Et là maintenant, à l'instant où je fais cette vidéo, je me réjouis à fond. J'ai vraiment trop hâte de rentrer dans la salle, je sais pas, avec un putain de gros sourire, de commencer à lancer le workshop, de les pousser un petit peu à réfléchir différemment, les questionner, bref, ça va être le feu, ça va être cool. J'ai 30 secondes chrono. Faut manger un petit pancake protéiné. J'ai pas eu de dessert. Et il me faut une petite dose de sucre là. Toi Alex, ça va et toi? Ouais, bien. Désolé, merci. Vendredi. Vendredi, ça marche? Ciao, on se tient au courant pour la séance. Nickel mec. Prends soin de toi Alex. Yes, toi aussi. Bonne fin de journée. Ciao. Ciao. Workshop terminé, c'était super efficace. On a réussi à avoir de bonnes idées. Ça a été productif, c'est cool. Maintenant on enchaîne. De nouveau, il faut que je file au bureau juste maintenant et j'ai un call. Je commence maintenant le coaching avec Vaker, la boîte de Munich. Et j'ai un premier téléphone, il me semble, avec un gars qui est basé en Colombie, à Bogota. Du coup, il faut que je file. Le coaching commence dans 15 minutes. Il y a un truc que je regrette quand même, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt à documenter cette série sur YouTube. Je ne sais pas si j'avais commencé il y a 7-8 ans. Quand je commençais un petit peu à entreprendre avec mes idées, ça aurait été ouf d'avoir une trace un peu de l'évolution quoi. Je sais pas, d'avoir des vidéos de moi chez mes parents en train de me dire je veux que ça fonctionne, je veux me tirer un salaire. Bref, mieux vaut tard que jamais. J'ai commencé maintenant, mais vraiment, accrochez-vous parce que c'est que le début. On va documenter tout le long. Ça c'est ouf, hein. Tu payes des blindes pour un parking. Et en plus, une fois sur deux, ces putains de machines, ça marche pas quoi. À chaque fois, il faut aller prendre de la monnaie. Et évidemment, on vit dans un monde où on a tous de la monnaie encore à fond sur nous. C'est un sacré business le parking. Zéro entretien, ça pue, on s'en fout. Technique, pas besoin d'avoir un truc nickel qui marche bien. Et on se fait juste un max de pognon.
je vous jure. Un jour, je vais faire un titre vidéo sur YouTube. Ça sera « Je lance mon parking ». J'arrête tout, je me lance dans le monde des parkings. Bon, j'ai un trajet pour goûter ma nouvelle barre de protéines au goût cinnamon roll. J'espère que ça va être bon. Très belle jambe pour commencer. On sent un petit peu la cannelle qui revient en surface. Allez, go. Oh merde. Bon. Bah, c'est pas ouf, hein. En fait, le goût il est pas si mauvais que ça, mais la texture, c'est vraiment, je sais pas, de la poudre en barre quoi. Oh. Non, un 3, je dirais un 4 sur 10 niveau goût, mais niveau texture, je dirais un 2 sur 10. C'est pas mangeable. Si t'as pas 3 litres d'eau pour essayer à manger cette barre, c'est impossible de la manger. Cette chaîne commence vraiment à tourner bouffe, je trouve. Entre les pancakes protéinés, les barres protéinées, les smoothies, power meals. C'est en fait du contenu bouffe, hein. Est-ce que je devrais changer ou pas? Je sais pas, je mets road to food. Road to better taste. Pas mal ça, road to better taste. Je suis méga en avance. J'ai 4 minutes de marge avant mon call avec Bogota. Comment c'est possible d'être autant à la bourre? Bon, c'est parti maintenant pour une session coaching LinkedIn avec un gars qui est basé en Colombie, à Bogota, qui bosse chez Backer. Ils ont plusieurs bureaux à travers le monde. Et en gros, bah, c'est maintenant une heure de coaching pour parler un petit peu de son LinkedIn, du contenu qu'il pourra créer par rapport à l'entreprise dans laquelle il travaille, pour réussir un petit peu à humaniser l'entreprise. C'est clairement galère à tout gérer, parce qu'en tout, il y a 8 personnes que je dois accompagner. 7 maintenant, il y en a une qui est partie, mais 7 personnes que je dois accompagner. Et du coup, j'ai 7 personnes en simultané qui m'écrivent des mails où il faut réussir à préparer des heures de coaching avec ces personnes. Ils sont basés à Singapour, Colombie, New York, Dubaï, Allemagne, enfin bref, il y en a partout. Et du coup, au niveau décalage horaire, c'est juste le bordel. Il faut vraiment réussir à trouver des bons slots et tout. Puis là, j'ai des mails qui partent de tous les côtés. Faut que je sois organisé. Faut vraiment que je sois organisé. Hi Greg. Hi Nelson. How are you? Hi, and you? Very, very good. Thank you. We have for now a total of 10 hours together. And we're going to use these 10 hours in a way to, as I say, to make you shine on LinkedIn. In a way to build your personal brand. And at the same time, in a way to bring awareness and to bring visibility to what Backer Academy is doing actually. Okay, thank you, Greg. Okay. I'll see you the next one. Perfect. Thanks to you, Nelson. Bye bye. See you. Bye bye. Bye. See you. Tellement cool! Mec, il est trop sympa ce gars! Ouais. Ça se sentait, non? Ouais. Tellement gentil, mec! Call terminé, c'était trop, trop, trop intéressant. Franchement, c'est encore un projet qui fait trop sens pour moi, clairement. C'est un peu comme Groupe Mutuel. Et là, c'est que de l'humain. C'est 1000% humain. Du coup, c'est discussion, c'est... Faut écouter à fond la personne en face, faut essayer de la mettre à l'aise. C'est... Ah, j'adore, vraiment. C'est un super projet. Je me réjouis à fond de la suite. C'est vraiment pas un projet où je me dis « ça va être long, ça va être galère ». Là, c'est vraiment un projet où ça fait trop sens. Ça fait trop sens dans ce que j'aime faire. Et ce qui me plaît trop, c'est que très souvent, les personnes que j'accompagne pour LinkedIn, bah, c'est des personnes qui étaient comme moi au tout début où, et encore maintenant. Des fois, je me dis « putain, mais je suis qui pour parler de ça ? Je suis qui pour parler de ce sujet ? Est-ce que c'est trop grande gueule ? Est-ce que c'est pas moi ? Est-ce que je peux vraiment dire ça ?» Et j'ai un petit peu ouais, ce syndrome de l'imposteur. Et bah là c'est pareil, cette personne, bah voilà, il me dit je suis pas super à l'aise à créer du contenu, du coup je sais pas trop comment faire. Et du coup bah je leur dis mais je suis passé par là, et moi encore des fois aujourd'hui je me dis mais voilà, est-ce que je suis vraiment la personne qui devrait parler de ça? Et tant que ça reste aligné avec qui on est, avec nos valeurs, avec notre personnalité, peu importe, et que ça reste respectueux, moi c'est ultra important. Et j'ai vraiment tout ce que je fais, je veux pas manquer de respect à un groupe de personnes. Et on a chacun notre combat à mener, on a chacun nos ambitions, chacun notre vision des choses.
Et c'est un truc pour moi qui est très important. Donc je cherche pas à manquer de respect à des gens. Mais tant que ça reste vraiment aligné avec qui on est, nos valeurs, notre vision, faut y aller. Faut y aller à fond. Bon, du coup maintenant il est 5h. Il est 5h. Le marathon, le Tetris marque sa fin. Et ça fait du bien de respirer un petit peu là. Et je vais profiter de cet instant pour respirer, pour vous parler d'un téléphone que j'ai reçu hier à l'agence. C'était juste le téléphone prospect le plus court de l'histoire. Et en plus, Jérémy, t'étais pas là hier. Non. Du coup, tu vas l'entendre. Hier soir, je reçois un mail. Enfin non, c'était quand? C'était pas hier soir. C'était hier après-midi, fin de journée. Je reçois un mail sur le mail de l'agence. Et en gros, c'est une dame qui voulait qu'on lui passe un coup de main sur une stratégie marketing, sur la création de contenu, sur du référencement. Bref, il y avait plusieurs job marketing à faire. Et du coup, elle nous écrit pour dire, voilà, j'aurais besoin d'avoir une grille tarifaire pour savoir un peu le prix que ça va coûter. Et moi, du coup, je commence à répondre par mail et je vois en fait qu'il y a un numéro de téléphone dans la signature. Je me dis, allez, j'appelle maintenant, je téléphone directement, comme ça sera plus rapide, plus humain. Du coup, j'appelle. Et spontané comme je suis, bah, je commence directement à lui dire tu. Au téléphone, je dis, ouais, ciao, c'est Greg, tu m'as écrit juste maintenant un petit mail. Voilà, je te réponds du coup directement au téléphone. Et là, il y a un silence total. Un vrai silence total pendant, je pense, je sais pas, 2-3 secondes. Je me dis, il y a un bug de réseau. Elle me fait, je m'excuse, on se connaît? Et je lui fais, je dis, non, pas encore, mais tu m'as écrit un mail, machin et tout. Et du coup, tu avais des questions et je t'appelle directement, on est réactif, en mode cool, en mode genre hype et tout. Elle me fait, je m'excuse, mais ça me choque, ça me dérange beaucoup qu'on se dise tu alors qu'on ne se connaît pas encore. Et je lui fais, je dis, bah, c'est comme ça qu'on bosse chez nous, on essaye un peu de mettre l'humain en avant, le côté amical, le côté, oh là, assez friendly et tout. Et je dis maintenant, si ça te dérange, bah, on peut repasser au vous, il n'y a pas de problème. Mais voilà, juste pour vous dire, c'est un peu comme ça qu'on bosse. Puis je commençais un petit peu à parler en vous. Et elle restait sur son opinion. Elle m'a redit, je m'excuse, ça me dérange vraiment. C'est un manque de respect, j'aime pas. Et je dis écoutez, bah, je pense qu'on va s'arrêter ici parce que voilà, je vous ai peut-être dérangé. Du coup, je m'excuse, c'est comme ça que nous on bosse. Je sens que ça matche pas, que ça dérange. Du coup, là, je pense qu'il y aura d'autres agences qui auront une meilleure approche et qui collera mieux à vos attentes, mais je pense pas qu'on a la bonne. Et vraiment, ça j'y crois à fond, je suis resté respectueux, vraiment, je suis resté respectueux, mais j'y crois à fond, je pense que de vouloir bosser avec tout le monde, c'est juste le bordel. Et vraiment, nous, plus on avance et plus on trouve des clients vraiment qui font sens, et des clients qui sont vraiment comme nous en fait. Et là, je vous jure, franchement, quasiment tous nos clients, c'est des potes, je pense qu'on peut le dire, non? Tous nos clients, quasiment, c'est des potes où on a, je sais pas, une sorte d'ambiance avec eux, c'est vraiment un truc, on se marre avec eux, on déconne avec eux, on passe des bons instants, et vraiment, c'est des relations qui sont vraiment profondes, sincères. Et il n'y a que ça, bip, de vrai. Je mettrai un bip sur le bulletin? Ouais, peut-être. Ouais. Bip. On se voit au match? À tout. Je vous tiens au courant dès que j'arrive, et pareil pour vous, ok? Il est là. Ciao les gars, tout. Ouais. On se voit après. À demain. Non, pas à demain, à ce soir. Bon. La journée, il fait nuit et pas encore terminée. Je dois rejoindre ma chérie pour un événement. Elle va travailler avec une marque d'habits. Et du coup, bah, j'ai été invité pour aller boire un verre avec elle dans un hôtel, le Royal Savoie à Lausanne. Je passe maintenant boire un verre avec elle et après on retrouve la team pour se faire une soirée. Ok, on va aller voir un match du LHC. On fait ça maintenant chaque semaine, on se fait soit un match du LS, Lausanne Sport, soit un match du LHC pour le hockey. Et c'est un petit peu l'instant sortie team où on crée un max de liens, on se tape des barres. Et je dois vous avouer que j'ai vraiment hâte de la petite bière de ce soir. De baisser un peu la pression parce que là c'était une journée juste mais super super intense. Vous vous rappelez de l'épisode précédent ou encore celui d'avant quand je parlais du fait que je détestais de ouf les bouchons? Et ben on y est! La vélo. Ça va? Vas-y, t'appelle. On est toute première année, une version plus petite sur la Courneuve. Toute l'année. Le hasard a tellement bien fait les choses. Je suis noir, on voit rien. Il y a lui. Mais par hasard, mon père était aussi invité à l'événement. Ce qui fait que du coup, bon, on s'est rencontrés là-bas. Et il va aussi au match du LHC. Ce qui fait que maintenant, on part ensemble au match.
Le hasard fait trop bien les choses. Ah non. Ah, c'est cool.